검찰 발표에 대한 프랑스 감정팀 입장 표명 기자 간담회가 되겠습니다. 프랑스의 그 단층 분석 방법은 적외선 촬영이 다 잡을 수 없는 여러 단층, 즉 1650개의 단층까지 다 세밀하게 구별해 뚜렷한 이미지를 찾아내는 그런 기술을 가지고 있다는 것입니다. 그러면 지금부터 장베니프 씨의 발표가 있겠습니다. Et néanmoins critiqué lors d'une récente conférence de presse, nous sommes ici aujourd'hui pour expliquer de manière loyale et scientifique les raisons de cette expertise sur 10 œuvres de l'artiste Chung Kyung-ya, dont une, nous avons appelée K5, The Wonderful Woman, pose un problème d'authentification depuis des années. Les demandes du procureur étaient pourtant claires. Il nous a demandé de certifier si cette œuvre était de la main de l'artiste sur des critères objectifs. Nous pensions les lui avoir fournis après de nombreux échanges d'emails, d'explications comme d'usage dans ce genre de procédure. On n'a pas utilisé les techniques traditionnelles qu'utilisent les musées, comme les X-rays, des infrarouges profonds qui renvoient derrière la couche picturale. On n'a pas utilisé des mesures aléatoires de coups de pinceau sans étalonnage, des mesures pigmentaires aléatoires au jugé, des ombres sans calcul d'angle. On n'a pas fait ça, on a juste extrait des mesures faites dans les mêmes conditions. Le procureur nous a demandé de ne travailler que sur des critères objectifs, quantifiables, avec des données que nous avons mesurées avec notre caméra multispectrale, sans aucun commentaire subjectif. Nous démontrons que Mme Chubyungia a soutenu, ce qu'elle a soutenu semble vrai, sur un plan strictement scientifique, si on observe le simple comportement de la lumière dans la couche picturale, de la luminance, des contrastes, de la distribution de la lumière et des fréquences, des écarts et autres mesures quantifiables, explicables, la qualité du dessin dans son évolution et de la finition de l'œuvre, et en extrapolant, en faisant des probabilités. Et pendant 30 ans, l'artiste, qui est quand même la première experte de son œuvre, clame qu'elle ne retrouve pas l'empreinte de sa personnalité dans cette œuvre, The Wonderful Woman. Et notre étude le confirme sans a priori, en comparant des données objectives, non subjectives, ce que ne cesse, semble-t-il, de manipuler le musée national à travers de simples avis d'experts. Les mesures de lumière technologie permettent de retrouver dans les 10 œuvres étudiées des éléments de comparaison indispensables à l'authentification, j'insiste, indispensables, des éléments de comparaison objectifs qui excluent K5, The Wonderful Woman, du corpus des œuvres originales de Madame Chung Kyung-ya. Et tel est notre avis démontré, pas suggéré, c'est une vraie démonstration que je suis venu vous présenter ce matin en réponse au procureur.